Bah nous, on t'a entendu. Je crois qu'ils ont pas entendu, voilà. Donc, je disais donc, je me répète, on part de la Jamaïque et on va jusqu'à Panama City. Et bonjour à tous. Et bonjour à tous, je suis avec des copains. Et bonjour à tous. Alors, il y a Coca, voilà, qui est intéressé par le Simu. Et puis, il y a Arnold qui va faire le même vol, qui devrait être pas loin de moi, là. Voilà. Il a mis une livrée. C'est toi qui es à côté, là? T'as une livrée bizarre? C'est quoi ta J'ai livrée? United, mais peut-être qu'elle apparaît pas en United. Ah non, Enfin, peut-être. t'as une livrée chinoise, moi, je sais pas. Ah, Ou alors, déjà. je te vois pas. Je sais pas, mais t'es pas là. C'est un défaut de livret, alors. Parce que tu n'as pas la livrée que j'ai, en fait. Donc, c'est une livrée téléchargée. Donc. Où on se voit pas? Je sais que moi, quand je fais les vols avec Raymond, oui, on se voit, mais... Moi, je te vois en Air France. Ah, bah voilà, toi tu me vois alors. Ok. Donc, tu dois me voir, mais en livrée chinoise. Ok, ça marche. Je suis à ta droite, normalement. Merde. Alors, bah écoutez, on va commencer. On va commencer, on va commencer. Mic off. Mic on. Bon, alors. Donc, batterie, emergency. On va regarder si le frein à main. Hop. Le transpondeur, stand-by. Je vais prendre ma checklist parce que sans checklist, c'est paumé. Hein. Donc, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Les passagers. Ah, alors, les passagers. On va mettre les ceintures. Ok. Position de latence, steady, c'est bon. Le logo, pas besoin. Et les tests incendie, on le fera après. On va demander le groupe de parc. Ah oui, voilà. On demande le groupe de parc pour avoir un peu d'électricité. Et de ne pas tourner sur la batterie. Bon, lui, il me renvoie la passerelle, mais c'est pas grave. On va faire quelque chose de mieux. On va enlever ça. Là, on va dire qu'on veut une passerelle. Alors, le ground power. Voilà. Donc, on va faire un test incendie. Moi, je reviens un petit peu plus tard, j'ai des trucs à faire. À tout Ça marche. À plus. À plus. Ok. Test incendie, c'est bon. Donc ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. On va allumer une pompe carburant pour la PU. Alors, on va allumer la PU. Hop, hop. Et est-ce que mon machin extérieur est parti là? Ouais. Donc je vais remettre la passerelle, du coup. Je vais la redemander. S'il veut bien. Et je vais. Normalement, on a 112 passagers qui doivent embarquer. Donc, on va essayer de faire ça. Ah, les hôtesses arrivent. Voilà. On va mettre les ceintures dessus. Les ceintures. Voilà. On va ouvrir la porte. Voilà.
Voilà. On est pas mal. Alors l'API doit être allumée. On va mettre les générateurs, ça sera fait. Et l'API bleed. L'isolation valve, elle est sur open. C'est bon. Et on va mettre les packs, parce qu'autrement ils vont crever de chaud les gens. Et on va faire l'alignement des IRS. Voilà. Ah, moi j'ai mis dans l'option du PMDG, j'ai mis à Arnold, j'ai mis le vrai alignement temps réel. Hein. En Ah, tu temps. l'as mis en temps réel. Ouais, Ok. en temps réel, donc ça risque d'être un peu plus long que toi, quoi. D'accord. Je fais tout comme en vrai, ou presque. Bah écoute, c'est parfait. On va dire ça. Des fois, c'est pas tout à fait parfait, mais. Oui, enfin, on essaie de faire le mieux possible. Alors, le fuel. On doit avoir 8236. Oui, j'ai même à peu près la même chose. Voilà. Et les payloads. On a 112 passagers normalement. Bon. Moi, en tout cas, j'en ai 112. Ben, j'ai personne en première classe et j'ai 112 en économie. Et en cargo, j'ai. Attends, je suis bien sur le bon plan de vol au moins parce que comme j'en ai fait pas mal. MKJS, MPTO, ouais, c'est ça. En passager, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, c'est bizarre, Simbrief, il me dit 79 passagers. Ah, ben ouais, c'est moi qui me suis trompé. J'ai 79 passagers, pas 112. Hein. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre 71 en économie et 8 en classe affaires. Ça fait bien 79. Ouais, passager, j'en ai 145, moi. Ah ouais, t'en as plus que moi, t'as de la chance, tu vas gagner plus d'argent. Ouais. 1250. En cargo, j'ai mis deux fois 1250. Voilà. Ok. Bon, ben, on va demander aux hôtesses qu'elles fassent le. L'embarquement. Personnel de cabine, dès que vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les portes et commencer à laisser embarquer les passagers à bord. Merci. Voilà. No problem. Je vais juste voir un truc, c'est pour la musique là, parce que elle est un peu forte, la musique du board. Je vais la baisser un peu. Et normalement, si je leur mets un peu de musique aux passagers, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'aller. C'est pas trop fort. Donc, il faut que je reprenne ma checklist. On en était ouf. Ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Les alignements des IRS, ils sont en train de se faire. Le dumper, Windows 8. Ah, vous avez pas ma barre, c'est bizarre, mon bandeau. Ah, pourquoi vous avez pas le bandeau? Mince. Attendez, je regarde comment je peux. Afficher ça. Ah, il m'embête ce truc à chaque fois, il me le fait pas automatiquement.
Overlay. Alors ça c'est ok. Voilà. Use overlay. Bon, bah attendez, je vais essayer de l'afficher. Il m'embête un peu, mais bon, c'est comme ça. Je peux rien y faire. Il veut pas s'afficher sur le live, hein, ce con. Hein. Et si j'enlève ça? Bonjour, nous sommes prêts pour la mise en route. Merci. Ah, je viens d'avoir une sortie de Fête 20. Tous les passagers auront embarqué. Pas vrai. Mmh. Ok, great. We'll miss them. Ça m'embête un peu. Est-ce que le navigraphe s'affiche? Ouais, je... Ok. Faut que je règle ce problème parce que j'ai un problème d'affichage. Donc je vais recommencer. Je vais essayer de le relancer. C'est pour que vous ayez la barre en haut. Avec les vitesses de l'avion, etc., etc. Donc je vais essayer de le relancer, puis on va voir ce que ça donne. Donc on a dit aéroport de départ, MKJS. Ça me retarde un petit peu dans la mise en route de l'appareil, mais bon, c'est pas grave. MPTO. Conseil AFR 99. Donc si je fais OK. Tiens, mais il me fait chier, hein, pourquoi il veut pas? Open overlay. Bon. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il veut pas s'afficher. Je vais réessayer une dernière fois, puis si ça s'affiche pas, tant pis. Hein. On verra ça en vol de croisière. Hein. Bon, il veut pas. Des fois, ça bug un peu. Bah écoutez, tant pis. On va continuer comme ça. Alors, on en était où, du coup? On était à l'embarquement des passagers. Et on en était à l'alignement, là-haut. Il est encore en train de s'aligner. Mais c'est pas grave, on va continuer notre... Alors, FMC. Alors, MKJS. Voilà. Ah, j'ai tous les passagers qui ont embarqué. Alors, MMUNK. Attends, merde, j'ai un autre problème ici, c'est que j'ai pas le plan de vol.
Bah, je vais le faire de suite. Si ça marche, je suis pas sûr. C'était quoi? Halte entrée. J'ai oublié. Je suis plein de choses. Je suis dans l'ouest aujourd'hui. J'ai oublié de charger le plan de vol dans le. Voilà. Voilà. Normalement, ça va le faire. Hein. Normalement. Je reviens sur le simu. Voilà, je me remets en plein écran. Et on va regarder si mon plan de vol il y est. Ah bah voilà. C'est celui-là. Donc la piste départ, ça sera une 07. Le numéro de vol, c'est AFR 99. Voilà, on va faire le départ. Alors, 07 par là. Et l'arrivée, ça risque d'être un peu plus corsé. Alors, l'arrivée, ça sera sur AirNav 3L. C'est pas qu'autre chose. AirNav 3L. Par ce point-là et la transition je me rappelle plus donc je vais regarder. Boudub. Ça sera Boudud. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ça, il faut l'enlever là. Il veut pas que j'enlève le vecteur. Ah ouais, mais attends. Comment ça se fait qu'il veut pas que j'enlève le vecteur? Tu vois mon écran, Arnold? Regarde. Attends, tu veux. Attends, je vais regarder. Il m'a mis Boudube, après il m'a mis vecteur et après il m'a remis Boudube. Ah ben, il faut que t'as un beau dupe de trop. Donc, il faut que tu. Alors, soit tu prends off-tool, tu le mets à la place de Bodu, celui qui est au-dessus et tu le mets en bas. En dessous, là? Non, off-tool, tu vois, off-tool, juste au-dessus de Bodu, le premier. Ouais. Eh ben, et tu le mets là-dedans. Et je le mets dans là? Non, tu le mets dans Bodu parce que tu en as deux de Bodu. Donc, celui-là, tu le mets dans un des deux. Voilà, celui-là, voilà. Faire exécuter. Il le prend pas. Et celui-là là-dedans. C'est ça? Ouais. Voilà. Et maintenant, tu peux faire Bodube et tu le mets au-dessus.
Voilà. Voilà. Ça va pas. Il me l'a pas pris. T'as pas pris ? Non. Ah oui, alors. Donc, il faut que tu fasses un. Ou alors, il faut que tu fasses un clear sur Bobup. Il faut que tu fasses clear dans le clavier. Ouais. Tu fais ça, et après, tu vas dans le clavier. Juste en dessous de ton clavier. Ouais, voilà, tu descends encore. Descends encore. Encore. Encore en dessous. Là où tu as toutes tes lettres. A, B, C, D. Oui, clear. Del, faut faire. Ouais, tu fais ouais, Del ou. Ouais. Normalement, si tu fais. Je crois ouais, Del, Del, il s'est enlevé, ouais. Ouais. Ah, mais il m'en a mis combien de Bodup parce que je. Il m'en a remis un foutu là. Alors, attends. Je vais y arriver. Hein. Il faut que j'y arrive. Et est-ce que je peux faire ça là? Ah, ça ressemble bien à quelque chose, on dirait. Alors attends, on va reprendre. Je vais reprendre du début. Je me suis remis en Air France parce que j'ai été déconnecté. Je suis retourné, j'ai eu un retour au bureau. Ah. Alors, je recommence tout. Ouais. Ouais, ça m'arrive aussi d'avoir des retours au bureau. Oui, ça va bien, mon chemin il est pas mal là. Bah voilà. Ouais, ouais, ça fait bien un rond. Bon, ça fait un arrondi. Après, j'ai peur qu'il soit un peu serré, mais bon, ça c'est pas grave, je pourrais le faire à 30. Ok, c'est bien. Le plan de vol, pas mal. Hop. Voilà, donc j'ai fait mon départ, mon arrivée. On va faire les performances. Voilà, 47,8. Cost Index, t'as mis combien, toi? Moi, j'ai mis 50. Ok. Voilà. Ah merde, j'ai oublié de faire ça. Wind. Le métard ici dit quelque chose. Alors... On va regarder s'il y a du vent. Il me dit. Le vent vient du sang à Signe, c'est ça? T'as la même chose? Alors. De l'aéroport, hein? Le métard de Simbrief, j'ai 131006. De Simbrief. Moi. Le métard, je sais pas. Dans le Simu, c'est 100. C'est. Le vent vient du sang sur. Assigneux. Bah, oui. Écoute, moi, je mets le métard du Simu. Hein. Après, Voilà, la trim 546.
à peu près comme ça. Et bien, on en a fini avec le FMC normalement. Donc, retour checklist. On va faire le MCP. Alors, 8,2 plus 15, ça fait 134, 135, 136, 137, 138, 139. Regardez comme je compte bien. Alors, 139. La piste de départ, on va regarder ça de suite. Hop, j'ai pas sorti les cartes. J'ai fait le feignant. Hein. Ouais, mais il me faut le. C'est pas ça que je cherche, Arnold. C'est le. La direction de la 7. Est-ce que c'est une 0,70 pile ou c'est. Ah oui, la course. La course, ouais. Alors, apparemment, c'est une 0,73. Ok, ben 0,73. Hein. Voilà. Ensuite, donc l'altitude initiale, tu m'as mis à 40 000 pieds. Moi, je veux pas aller à 40 000 pieds. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, oh, Simbrief? C'est trop là. Qu'est-ce qu'il dit, Simbrief? Il me dit 36 000. Moi, il me dit 240. 24 000 pieds. 380, moi. Bah, je vais mettre 380. Hop. C'est 380. Ensuite. Je vais y arriver. Ah, les Fly Director. Autotrottle. Ok, bon, je vais mettre un taux de montée par contre, moi. Taux de montée. Je vais mettre 1800. Et tu sais, je peux régler la vitesse aussi quand je règle le taux de montée. Il faut que je mette 250, non? C'est la limite pour la montée, non? Sur les en dessous de 10 000 pieds. 210, 220, il m'avait dit le pilote, là, le vrai pilote. Ah ouais? Ouais, il m'a dit, mets-le à 220, c'est bien. Putain, j'ai dû bouger les manettes de gaz. Oui, pourquoi tu reviens pas en arrière? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bah merde. J'ai un souci. Mes manettes, elles réagissent pas. Ah oui, parce que j'ai ça sur moi. Voilà. J'ai trouvé le souci. Désolé. Alors, j'étais à dire 37 000 pieds. Non, 38. Pourquoi il se met pas le LNAV? Est-ce que tu as bien fait exécuter dans tes performances tout ça? Ouais. Mais tout à l'heure il s'est mis, là il veut plus se mettre. Bon, attends, je vais peut-être modifier. Les flight directors, ils y sont pourtant. Bah merde alors.
quand les deux se mettent pas, c'est qu'en général, il y a une indication qui est ouais. Les performances. Qui... Ouais, non, mais attends, je vais peut-être y arriver. Je vais traficoter. Je vais traficoter et ça devrait peut-être le faire. Bon. Voilà. Non, il veut pas. Le LNAV. Ah si, ça y est, c'est mis. J'ai insisté un peu et il a dit d'accord, je me mets en route. Alors, il nous faut l'élévation de la piste d'arrivée. Oui, ça m'intéresse. Eh ben, je vais te la donner. Laisse-moi une seconde que je trouve la carte. C'est sur quelle piste qu'on arrive ? La 03L. C'est ça. Donc la 03L. C'est celle-là. Élévation 52 pieds. Mais l'élévation totale c'est 134. Alors non, moi je vais mettre 134 parce que approcher l'élévation, il me dit 134. Donc je vais mettre 100 là dans le land halt. 100, ouais, 100. Ouais, pareil, okay. Voilà. Écoute, ça irait bien. Ensuite, je reprends la checklist. Donc, ça on l'a fait. L'altimètre. Et ben, l'altimètre là. Ça marche, ok. En hectopascal, j'ai 10-14. C'est ça, la même chose. Ok. Le minimums, ah là, eh ben on va sortir la carte de l'ILS, de la RNAV. Alors le RNAV, qu'est-ce qu'il nous dit? Minimum décision altitude 420. Donc en radio, on va mettre 420. Allez, c'est parti. Ça me paraît beaucoup, mais bon, c'est ce qu'il dit. Hein. Ouh, j'étais un peu trop loin. Voilà, 420. Ok. Ensuite. Autobreak, RTO. C'est fait, monsieur. Yes. Après fermer les portes, ben écoute, moi j'ai tous les passagers à bord, donc je vais pouvoir fermer mes portes. Hop, je vais enlever la passerelle. La pressurisation, ça va. L'API générateur, je l'ai fait. Bonjour, capitaine. Tous les passagers sont à bord et les portes ont été verrouillées. Merci. Ben voilà, on est presque sur le départ. Anti-collision, hop. Parking brake, est-ce qu'il est bien serré? Oui. Et le gros équipement, j'ai bien la PU allumée. Alors ça, il faut bien vérifier parce que si vous enlevez le groupe de parc, ouais, ça va pas le faire. Dangereux. C'est votre capitaine qui vous parle. Je vous souhaite au nom de la compagnie MSX France la bienvenue à bord de cet avion. Je ne prévois aucun retard. Nous devrions donc arriver à l'heure à notre destination. Le personnel au sol charge les derniers bagages dans la soute de l'avion. Alors je m'attends à ce que nous mettions en route les moteurs très prochainement. Merci de vous installer confortablement et de boucler votre ceinture de sécurité. Pourrions être prêts à partir dans quelques minutes. Pour le moment, je vous remercie d'avoir choisi de voyager avec nous aujourd'hui et j'espère que vous apprécierez ce vol. Bon, ben écoutez, on est prêt à faire le taxi, sauf que il m'a refoutu la passerelle. Il est chiant avec sa passerelle, lui. J'ai dit que je voulais plus de passerelle. Est-ce qu'il va me l'enlever ce truc?
Ok, je vais couper la musique pour les passagers. J'ai pas de passerelle, merde. Il me fait chier avec sa passerelle, lui. Je veux juste voir comment je dois me placer pour le taxi. Alors, on va aller vers la droite. Donc, Enfin, il on faut va plus loin, que. on va bien. Ouais, il faut que le cul, je le mette à Gauche. gauche. J'espère qu'il m'a pas remis la passerelle. Non, ça va. Des fois, je sais pas ce qu'il me fait. Allez, on va essayer de faire ça. Donc, tu m'as dit le cul à gauche. Voilà, allez, c'est parti. Cockpit to ground. This is ground, stand by. Ah oui, je te vois en Air France. Ouais. Okay, sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Lifting the aircraft. We're cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Yeah, we'll start in the sequence. Merde, pourquoi il faut me foutre de l'autre côté? Ah non, c'est ça. Personnel de cabine, armement des toboggans et vérification de la porte opposée. Merci. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please pay attention to the following safety performance. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture. Elle soulignera élégamment votre taille tout en garantissant votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. It will elegantly highlight your waistline while ensuring your safety. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. To release the seatbelt, just lift the buckle. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. Vous verrez, sans tabac, c'est plus chic. This is a non-smoking flight and it is strictly prohibited to smoke in the toilets. A no-smoking flight is simply chic. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, appliquez-le sur votre visage. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop down automatically in front of you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Make sure your mask is well adjusted before helping others. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez maintenant le panneau le plus proche de votre siège, il peut se trouver derrière vous. In case of an emergency, the illuminated signs will help you locate the exit doors. Take a moment now to locate the sign nearest you.
It may be behind you. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Emergency exits on each side of the cabin are located at the front, in the center, and at the rear. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux selon les instructions de l'équipage. In the event of an evacuation, walk along the illuminated path and follow the crew's instructions. L'emplacement de votre gilet de sauvetage est indiqué sur l'étiquette devant vous. The location of your life jacket is indicated on the label right in front of you. Passez la tête dans l'encolure, attachez et serrez la sangle. Place it over your head and pull the stripe tightly around your waist. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. When you are outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling the red toggle. Soyez tendance durant ce vol. Réglez vos appareils électroniques en mode avion. Because it is trendy here, set your electronic devices on airplane mode. L'équipage vous informera des conditions d'utilisation de vos équipements pendant le vol. Si vous n'utilisez pas vos appareils électroniques, je suis bon pour le roulage, moi. Les éteindre et aller en mode. J'enclenche l'autre moteur et c'est bon pour moi. Ok. If you do not use your electronic devices, we invite you to switch them off and stow them away. En cas de perte d'un appareil électronique, évitez toute manipulation de votre siège et prévenez l'équipage. In case of the loss of an electronic device, please avoid manipulating your seat and call a crew member. Pour votre sécurité, vos bagages et les appareils les plus volumineux doivent être rangés pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. For your safety, your baggage and your biggest devices must be stowed away during taxi, take-off and landing. Nous allons bientôt décoller. We'll be taking off shortly. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Please make sure your tray table is stowed away and secured, and that your seat back is in the upright position. Une notice de sécurité placée devant vous est à votre disposition. Pour toute question, l'équipage est à votre écoute. We encourage everyone to read the safety information leaflet located in front of you. If you have any questions, our crew is here to help you. Okay, donc merci pour votre attention. Au nom de toute la compagnie Air France, nous vous souhaitons un excellent vol. Thank you for your attention. On behalf of the whole Air France company, we wish you a very pleasant flight. Sur retour. C'est parti, taxiing. Copie. Fait beau à la Jamaïque. Sympa. Je m'arrête au point d'arrêt. Ok, stop. Mike off. Ok, les lights. Ok, je m'aligne. Et voilà, Air France 250, après le décalage, aligné. Ok, je vais regarder ton décollage, puis moi je fais mon truc après. C'est parti.
V1 rotate. Positive climb. Close up. Ok, bah c'était joli. Alors attends, parce que moi j'en suis où? C'est sympa. J'en étais là. Autopilote on. Donc, parking brake ok. Les fuel pompes, je vais vérifier si j'ai pas de centrale. Si j'en ai un peu, donc je vais les mettre. Voilà. Vitesse V1, V2, machin. J'ai pas d'alerte. Est-ce que j'ai assez de lumière dans la cabine? Oui. C'est parti. C'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tout est bon dans le jambon. Le flux flow, on va le mettre tout de suite. Ok. Bah, les landing lights. Hein. Ok, on éteint les taxis. On va mettre les strobes. Personnel de cabine, préparez-vous pour le décollage. Les wind. On, c'est bon. Le transpondeur. Alors, il fait un petit tracé curieux. Enfin, il va sur la gauche et après, il reprend par la droite et il repart. Mm-hmm. Le trafic bouton TSC activé. Non, le TSC. Le TFC. Ah pour... oui, TFC, oui. Le TFC, ouais. Et l'horloge. Ouais. Et puis, on sera bon pour le décollage. Allez. Pieds. Pas de problème. Pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Moi, j'aime bien dire ça aussi. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant. Ok. Je vais peut-être recentrer mon track hier. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est parti. Voilà, 10 000 pieds. Les lumières, je coupe. RTO, je le remets. Off. Je vais enclencher l'autopilote et on va relever les volets parce que je suis un peu en retard sur les volets. J'étais un petit peu en retard. Par contre, il m'a mis à 240 et moi je voulais pas 240. Hein. Je voulais 220. Ah ouais. Ouais, il m'a refoutu à 240 en vitesse alors que je voulais une vitesse de monte de 220. C'est pas grave, j'ai modifié, hein. Bah ouais. Ouais, c'est vrai, il partait un peu à gauche et puis il revient à droite. Mmh. Ouais, comme ça, j'ai un taux de montée de 1700 pieds par minute. Ah ouais, et, c'est bon.
Ouais, parce que autrement les passagers, si tu montes plus fort, ils ont l'estomac qui remonte à la gorge et ça leur plaît pas des masses. Barreau au standard. Je vais avoir une alerte fuel ici, normalement. Bah écoute, pour l'instant, tout est bon. Tout est bon dans le jambon, tout est bon Pour l'instant, dans le pour jambon. l'instant. Alerte fuel. Ok, je suis passé 5000. Je passe en Vénave. Attachez votre ceinture de sécurité afin que vous puissiez vous déplacer librement. Cependant, il est recommandé de la laisser attachée lorsque vous êtes assis. Je vous remercie. Thank you.
Il marche pas, j'ai pas réussi à faire marcher mon bandeau. Ouais. Ouais. Il devrait marcher, mais. Il veut pas. J'essaye de le remettre, mais. Ouais. Il n'y a rien à faire. Hein. À moins que ça. Moins que ça soit là. Putain, c'est dingue ça. Ouais. Ah, attends. Et si je fais ça, copier. Parce que c'est pratique à regarder dans le stream, quoi. C'est sympa, quoi. Bah oui, c'est sympa, ouais. Mais il veut pas. Il n'y a rien à faire, il veut pas s'afficher aujourd'hui. J'ai déjà fait des vidéos avec, mais. Si j'enlève ça. J'essaye de le changer de position aussi, mais. C'est quand même dingue, hein? C'est dingue. Pourquoi un coup ça marche, un coup ça marche pas? Tu comprends, toi? Oh là 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 là. Je ne sais pas trop. Une alerte aussi avec le fuel tout à l'heure, une suffisation de fuel. Oui, c'est parce que t'as les centrales, non, qui sont que t'avais allumées. Ouais. Ça a bouffé ton central, c'est pour ça qu'il te met une alerte. Ouais. Alors t'enlèves les pompes centrales et tu as l'alerte qui va se qui va s'enlever. C'est bizarre parce que. Bah merde alors. Attendez, hein, je suis en train de regarder des choses. J'ai peut-être compris pourquoi. Ah, mais je sais pourquoi.
Alors voyons voir. Merde, c'est que je vois ça. Alors, TD dans 463, donc ça va, on a le temps. Est-ce qu'elle a mis sur pause? Qui, moi? Ouais. Non, c'est que je suis en train d'essayer de mettre le bandeau en haut et donc j'ai mis une vue fixe pour pas que ça bouge trop dans le. Dans le. Mais je vais le débloquer, hein, t'inquiète pas. C'est juste que je cherche comment on fait un truc. Oh, vas-y. Et puis. Oula! Non! C'était pas ça! Votre tablette est abaissée et merci de rester à vos places pendant la durée du service. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, vous voyez du texte bizarre. Parcourir. On va faire ça, on va voir. Non plus. Alors, attendez. Si je fais. Si je fais. Donc c'est dans Fly Overlay. Ça. Il me fait des trucs bizarres. Hein. Il veut pas que je fasse. Il veut pas. Attendez, 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 on va y arriver. Ben, j'espère qu'on va y arriver. Voilà. Copie. Parce que là, vous voyez du texte HTML, ça va pas. C'est pas. C'est pas fameux. Ouais, en effet. Ouais, des lignes de commande, ouais, c'est pas mal. C'est original, tu me diras. Ouais. Ah voilà, j'ai réussi. Voilà les amis, j'ai réussi à vous mettre le bandeau. Il a fallu que je me batte avec l'ordinateur pour vous pour que je vous mette ça, le bandeau. Ah ça c'est super. T'as vu, c'est pas mal hein. Ah ouais, c'est comme ça, les gens ils voient l'altitude, ils voient le vertical speed, ils voient le. Et donc ton vol normal, tu peux l'avoir ça ou c'est uniquement quand tu stream? Ah c'est uniquement quand tu stream. Ah oui, d'accord. Parce que je trouve que c'est vachement agréable. C'est agréable, hein? Et je peux aussi afficher Navigraph. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Regarde, pof, j'affiche Navigraph. Donc, je peux aussi mettre au spectateur. C'est vachement bien, ouais. Navigraph. Voilà. En bas à droite, j'ai les FPS. Les FPS que j'ai. Non, c'est super pratique, hein.
Très bien. On va faire une petite vue, on va faire une petite vue extérieure, comme ça on va voir comme j'ai des SPS. Ben, une vue de l'aile déjà. 48, 49, ouais. Et de l'extérieur. Normalement ça devrait monter, 60. Ouais, ouais. Ouais, puis je crois que je l'ai bloqué à 60 FPS le mien. Ça trace. Donc désolé pour la petite interruption où je où j'étais en train de régler ce bandeau là qui me fait il me fait galérer ce bandeau là. Mais ben voilà, il s'est affiché enfin, on va dire enfin. Je vais le verrouiller comme ça il bougera plus. Et voilà. Tu regardes Coca ou pas, toi? Oui. Mais tu regardes sur Steam ou tu regardes sur, enfin, sur Discord, Discord ou sur... Ouais. Ah oui, t'as pas les mêmes trucs sur Discord, toi. Non, mais c'est déjà bien. Et puis voilà, on n'est pas à l'altitude de croisière encore. T'as combien, toi, d'altitude de croisière? Oh, je suis à 240. Ah, oh, au 240? Ouais. C'est comment que tu dis dans la dans le civil, c'est... Niveau, niveau de 4-0. De 4-0, ouais. Ouais. Mmh. Angel, parce que nous, en militaire, on dit Angel 24. Enfin, ça se disait comme ça. Ah ouais. Je crois que au-dessus de 10 000... je sais plus, non, je vais dire des bêtises, donc je saurais pas dire, mais c'est à partir d'une certaine altitude que tu parles en niveau. Oui, c'est au-dessus de l'altitude... Je sais pas quelle altitude c'est. Ben, au-dessus de l'altitude que te donne la tour, là, de 5000 pieds ou 10 000 pieds, quand tu te mets en STD. Ah oui, c'est la tour qui te le donne, quoi. En fait, quand tu es en barreau ou en hectopascal, tu parles en pieds. Et quand t'es en STD, tu parles en niveau. En niveau, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai tendance à confondre, moi, entre le militaire et... Bah oui. Et le... Et le civil. Parce que, alors, je sais pas, il disait que dans le militaire, ça se disait plus non plus Angel 24. Donc je sais pas trop comment on dit maintenant. Je crois qu'on parle en pied dans le militaire. Mesdames et messieurs, depuis le cockpit, juste pour vous faire savoir que nous avons atteint notre altitude de croisière et je m'attends à ce que nous arrivions à destination à l'heure comme prévu. Pendant que l'équipage de cabine fait le tour de l'avion, assurez-vous que les allées sont dégagées de tout élément et je vous invite à vous asseoir, à vous détendre et à profiter du vol. Merci. Voilà. Il a bien parlé, le capitaine, t'as vu? Ça, c'est mon autre petit logiciel où je gère les passagers. Et j'aime bien parce qu'on a une note à la fin et ça me plaît bien. Bon, tu les entends applaudir aussi. Alors, applaudir, je les ai jamais entendus. Par contre, crier, ça, ça, je les ai déjà entendus. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais, ils crient comme des fous, hein. Et puis, t'as un pourcentage de satisfaction. Là, je suis à 97% de satisfaction. Voilà. Mais ils sont pas contents pourquoi? À cause du retard, etc. Ou... Pour plein de choses. Déjà, le retard, s'ils ont pas mangé, s'ils ont pas bu, s'ils ont pas été aux toilettes. Si tu prends un virage trop serré, si tu prends un taux de montée trop haut ou trop bas, ou si t'es brusque, ben voilà, ils sont anxieux. En fait, tu as... Ça gère...
Si le test n'est pas bonne. bien sûr, le retard. Là, j'ai 1h36 maximum. Dans 1h36, il faut qu'il soit débarqué. Si je dépasse cet horaire-là, c'est pas bon. Après, je peux avoir des passagers qui sont malades ou qui font une crise cardiaque, donc ça me détourne de l'avion. Enfin, faut que je me détourne. Mais c'est dans ton logiciel tout ça ou c'est dans le jeu de base? Non, c'est dans mon logiciel. Ah, ok, ouais. Après, c'est déjà pas assez compliqué comme ça, quoi. Non, je m'en rajoute. Après, j'ai tous les noms des passagers avec si c'est un mâle ou une femelle. Un mâle ou une femelle, ouais. Ouais. Avec leur nom, leur âge, s'ils sont assis ou debout, combien ils pèsent. Par exemple, là, j'en ai un. Non, c'est les bagages, ça. J'en ai un, il a mis en soute 29,2 kg. Voilà, j'ai tous les poids de chaque passager, combien ils ont mis. J'ai le numéro de leur siège. Je sais s'ils sont en économie ou en premium, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite, t'es noté sur la satisfaction, donc général, s'ils sont satisfaits ou pas du vol. Tu as l'anxiété, le HEALTH, je crois que c'est la fin, non? Je suis pas sûr en anglais. H-E-A-L-T-H, la soif, non? La soif ou la faim? Attends, je sais plus. Je vais regarder ça de suite. Je me rappelle plus. C'est pour la santé, le HEALTH. HEALTH, c'est peut-être la santé, ouais, attends. Ouais. Peut-être. Le HEALTH, après le boredom. Boredom, je sais pas ce que c'est. J'avais noté ça sur un papier à un moment donné, il faudrait que je le refasse. Parce qu'en anglais, en français, moi je sais, mais en anglais, le boredom, qu'est-ce que c'est, boredom? Attends, on va regarder. Border. Boredom. D-O-M à la fin. B-O-R-E-D-O-M. Ah ouais. Je ne sais plus. C'est pas, pas frontière. B-O-R-E-D-O-M. L'ennui. C'est l'ennui. Ah ouais. S'ils s'ennuient ou pas, parce que tu as le wifi où tu peux leur diffuser des films. I am bored. Bored. Et qu'est-ce qu'on disait, le HEALTH. Des chouettes lumières dans c'est la zone, là. C'est la santé, ouais. La santé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait d'autre? Le twirst. Twirst. Non, c'est la danse, la musique, non? Non, T-H-I-R-S-T. Ah, ça, c'est la soif, ça. Ouais. La soif, hunger, c'est la faim. Ouais. Nid de toilette, ben c'est ceux qui veulent aller aux toilettes. Le drunk, D-R-U-N-K, ça doit être sous, non, ça, c'est drunk. Ouais, s'ils sont bourrés ou pas. S'ils sont bourrés ou pas, je crois que c'est ça. Hein. Ivre, ouais, c'est ça. S'ils sont ivres ou pas. Le eating. C'est pour manger, eating. Je crois, ouais. Ouais, le eating, le drinking, donc la faim, boire. Alors là, c'est un nombre. Je sais combien il y en a qui boivent, combien il y en a qui mangent. Le sleeping, combien il y en a qui dorment. Using wifi, 31. Voilà, j'ai 31 passagers qui est en train d'utiliser le wifi. Et le watching movie. Alors là, le watching movie, c'est regarder le film. Le film. Ouais. Donc 0, parce que moi j'ai pas mis de film, j'ai mis le wifi hein, dans mon avion. J'ai pas mis le film. On choisit soit de mettre le film, soit de mettre le wifi au départ. Et moi je mets à chaque fois je mets le comment on appelle ça le wifi.
362 du TD. Après, je sais qu'on devait partir à 13h40 Zulu, qu'on doit aller débarquer à 14h09 Zulu maximum. Ça, c'est bien les horaires, je trouve. Ouais. Ouais. Le off-block, je sais pas ce que c'est. Off-block 14h13. Ils doivent être tous débarqués, peut-être. Off-block, je sais pas ce que c'est. Off-block. Boarded, ça doit être débarqué, non? Boarded. Ou arrivé, non. Non, c'est arrivé. Arrivé, c'est boarded. Et hors-block, ça doit être le débarquement. Maximum 14h13. Le taxi, j'ai 10 minutes pour le faire. Enfin, le taxi time, 10 minutes. Le taxi off à 14h24. Flight time 28 minutes. Alors, je suppose que c'est le... durée de vol. Ouais, mais c'est pas possible, 29 minutes de durée de vol. Ah ouais, non. Et le log time, 44 minutes. Alors, le flight time, le landed, ça doit être... quand j'atterris, le taxi time. En fait, t'as le taxi de départ et le taxi d'arrivée. Et t'as les minutes et tout que tu mets pour faire tout ça, quoi. Enfin, c'est super... c'est détaillé, hein. Ouais. Mais c'est super bien. Et à la fin, tu as une note. Ouais, j'ai vu, j'ai regardé la vidéo hier et quand il atterrit, il avait une note s'il était trop fort ou pas. Ouais. Oui, la descente. Alors, si t'as, à combien t'as touché le sol, si c'est par exemple moins 100 pieds par minute, tu vois. Et les G aussi, si t'es à un G ou un G5, etc., à laquelle t'as touché le sol. Et là, bah, ça va te faire une note. Tout ça, ça va te faire une note. Et le but du jeu, c'est d'avoir la meilleure note, quoi. A plus, c'est bien, quoi. Et le pourcentage, 100%. Là, actuellement, je suis à 98% de satisfait. Mais des fois, ça baisse vite, hein, parce que si tu fais une connerie, si tu arrives en retard... Ouais, mais tout ça, le système de notes, c'est dans le jeu normal ou c'est dans ton logiciel? Alors, c'est dans mon logiciel, mais c'est par rapport à ce que je fais dans le jeu. C'est par rapport à ce que je fais dans le jeu. Si dans le jeu, je cogne la piste trop fort... Eh ben dans le logiciel ça va me pénaliser, ça va me dire non vous avez atterri trop fort à tant de G avec tant de descente. Ouais, mais je veux dire dans le jeu si t'as pas le logiciel ça va pas marquer des points ou ça te marque quand même. Non dans le jeu de base t'as rien du tout. Ah ouais t'as rien. Non le jeu de base t'as rien du tout. Et ça ce petit logiciel il est payant quoi, mais bon tu le payes qu'une fois et puis voilà quoi. Après tu utilises. Tu mets les voix en français pour Air France. Moi, j'ai mis toutes les voix en français pour les hôtesses et puis le commandant qui parle et tout ça en français. Et puis voilà quoi. Et puis, t'as des choses à faire. Alors, les hôtesses, bien sûr, elles, soit tu décides de faire tout toi-même, donc c'est toi qui vas servir les repas, les boissons, etc. Soit tu peux dire non, je veux pas faire ça parce que c'est pas mon boulot. Je veux que ça soit les hôtesses qui le fassent. Donc, les hôtesses le font. Elles servent les repas, les boissons et tout. Par contre, les ceintures de sécurité, ça, c'est à toi de le faire. Puisque ça... X-Pact, hein, c'est ça. X-Pact. Non, moi, c'est Safe Loading Cargo. Ah, Safe Loading Cargo. Oui, parce que l'autre, si tu veux, je l'ai regardé. Bah l'autre j'ai eu des problèmes pour l'installer. Alors, Il a l'air pas mal, mais il a l'air compliqué à l'installation, etc. etc. Bon, moi, ça a merdé, ouais. Et en plus il coûtait cher, donc je me suis dit puisque moi j'ai acheté celui-là, autant continuer sur celui-là. Et il est très bien. Et en plus t'as une vue. Je vais essayer de vous montrer ça sur le stream si j'arrive. Mais je sais pas si on peut rajouter. Je sais pas, je vais essayer, hein, attendez, hein. Je vais essayer de voir si je fais. Je vais essayer de vous montrer ça sur le stream si je peux. Ah bah oui, je suis bête, je pourrais. J'allume ça et j'éteins ça.
Pourquoi ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Non seulement ça n'a pas fonctionné, mais en plus ça m'a foutu le brin dans le. Ça m'a tout enlevé Dans le bazar. dans le bazar, putain. Mais je veux dire, dans le jeu de base, t'as le trafic. T'as Oh. les avions devant toi qui décollent, il y en a qui atterrissent ou t'as rien du tout? Ah oui, tu peux avoir du trafic dans le jeu de Non, t'as base. du trafic, dans le jeu de base. Mais Oh. les livrées sont pas les vrais livrées, quoi. C'est Les... des livrées Ouais, fictives. c'est Mais après, tu peux les... du... Après, tu peux les changer pour mettre des livrées réalistes. Hein. T'as des trucs qui te changent les livrées, ouais. Ouais, il y a un logiciel qu'il faut installer qui est gratuit mais qui est un peu chiant à installer qui te permet d'avoir les vrais livrés par rapport aux aéroports que tu Voilà. Là, tu atterris. vois de la France ou tu vois des livrées. Si tu atterris en Espagne, tu vas voir Air Livrée non Espagnol, réaliste. quoi, les trucs espagnols. Voilà. Bon, c'est Ouais, ça en dégueu. fait des trucs à installer, hein. Donc ton Ah jeu, ouais. t'es en mis à combien? 150 gigas à la fin. Ah, ça te prend de la place, oui. Bah, ça te Ah ouais, si t'as pas prend. beaucoup de choses, ça prend énormément de place, ouais. Déjà, le jeu en giga par lui-même, il est déjà, je sais pas Il est combien, mais. 90, je crois. Ouais, mais t'as 90 plus les mises à jour gratuites. Donc, que tu as dans le jeu. Donc, ça fait plus du 150, quoi, je crois, hein, qu'il faut compter. En tout. Plus après toi, si tu mets des avions, des machins et des trucs, bah, Non. ça grossit. Tiens, d'ailleurs, en parlant de trafic, j'ai pas allumé le mien de trafic, donc je vais l'allumer. Trafic contrôleur. Tu sais pourquoi j'avais une alerte insuffisante fuel, que j'avais pas assez de carburant? C'est Non. parce que l'avion Air France, je l'ai jamais utilisé. Et j'ai oublié de changer la valeur en tonnes ou en, tu sais, KGBS ou LBS. Du coup, j'avais pas les bonnes valeurs. Donc j'ai dû, en plein vol, me rajouter du carburant. Ah, mais dans SimBrief, t'as pas rentré l'appareil? Non mais, je veux dire, ça vient de l'avion. C'est-à-dire, c'est la livrée de l'avion qui était pas en kilos, quoi, qui était en LBS. Ah, Mais du coup. mais ça, tu peux le changer dans les options? Oui, bien sûr, tu peux le changer, sauf que j'ai oublié de le faire, parce que j'ai cru que j'étais un avion sur lequel je volais comme je vole d'habitude. Donc Ah! du coup, ça m'a faussé les valeurs, j'ai complètement oublié de le changer, mais tu peux le changer, ouais, bien sûr. Bien Oui, tu sûr. peux C'est changer moi, ça. c'est parce que, ouais, oui, tu peux le changer. Mais je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'après, quoi. J'ai vu que j'étais pas sur le même système de calcul. Et là, tout est rentré dans l'ordre. J'ai mis une vidéo sur C'est vachement Discord. bien, hein. J'ai mis une vidéo sur Discord dans FS 2020 où tu as le mec qui passe en revue toutes les options que tu peux avoir dans le PMDG. Et donc Énorme, hein. tu regardes la vidéo et puis tu mets ben ce qui te plaît quoi comme option. Et puis voilà. Ouais. Moi j'ai mis des petits carreaux, tu vois, en Ouais, haut. j'aime bien tes petites fenêtres, ouais. J'ai mis les D'ailleurs, petites c'est toi qui as fait ça sur fenêtres. J'ai le mis wifi, tout ça. ouais, j'ai mis le wifi dessus l'avion ici. On va le voir, il est là. Je vais vous le montrer. Cette Les boule, petites fenêtres, cette c'est boule, sympa. Je sais plus qu'elle passe faux, cette mais boule, c'est c'est le sympa. wifi, ça. Ouais, les petites fenêtres, donc on les voit à l'extérieur aussi, hein. Ouais. Les boutons là, j'avais mis en moderne, mais j'ai repassé en classique. Ouais. J'ai mis le HUD, Ouais. qui est pas dans le truc. J'ai mis les boutons classiques ici. J'ai mis les pour les démarrer les boutons de démarrage. Tu vois, moi j'ai une position auto. Donc Ouais. c'est pas la position classique, si tu veux, c'est une position où j'ai pas besoin de m'en occuper de ces boutons-là. De les Ouais. passer en continu ou tout ça, j'ai pas besoin. J'ai mis les hits en off et on et pas qui est pas de position auto. C'est Ah, où ça c'est on? bien la position auto Nostro là, il faudrait que je le fasse ça.
que moi, tu vois, là, tu viens de me réveiller un truc, c'est que j'étais sur off, et normalement, je dois me mettre sur continue. Mais tu peux mettre une position auto, et ça, c'est vachement bien. Je me demande si tu te dois pas te mettre en FLT, c'est pas flight, Ouais. Bah, ouais. Je pense que c'est FLT plutôt, hein. C'est FLT plutôt, ouais. Mais moi, j'ai pas à me poser la question, parce que continue, ouais, c'est quand... Ouais. Parce que la position continue, c'est pour pas que les moteurs calent quand il y a du très mauvais temps. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Au décollage. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ben voilà, hein, c'est à peu près tout. Bon, j'ai bien sûr mis en kilos. Et puis après, j'ai réglé mes altitudes, mon cost index aussi. Mon cost index de base de l'avion, il est à 80. Et puis après, je le change si je veux. Là, j'ai mis 50, mais autrement, il me charge 80. Les altitudes de transit aussi, j'ai mis. Par contre, je voulais trouver une... parce que ils considèrent qu'en dessous de 25 000 pieds, t'es plus en croisière. Et ça, je voulais le changer. Je voulais mettre plus bas. Par exemple, je voulais faire moi un vol de croisière à moins de 24 000 pieds, par exemple à 22 000 pieds, ben tu peux pas le faire. Ah bon? Ben non, il y a un truc qui merde dans les plans de vol après. Ah. T'as une alarme et tout ça. Donc bon bah tant pis, hein, qu'est-ce que je te dise. Bon ben là je vais, comme on est en croisière justement, en parlant de croisière. Je vais. C'est une merveille cet avion, c'est une merveille. Ah ouais, ouais, il est franchement bien. Voilà. Alors, je vais atterrir avec 30 degrés de volée. Ouais, 30 degrés. Ouais, moi j'ai mis 40, mais enfin bon. C'est vrai que 30 ça suffit. Hein. Et donc, comment on fait pour le AirNav? C'est comme une ILS, mais sauf que tu rentres pas à la fréquence. T'as pas de fréquence à rentrer. Ouais, mais t'as l'altitude. Oui, l'altitude, mais pas de fréquence. D'accord. C'est 3100 l'altitude de... Pour capter? Ouais. Là, ça va, on vole, il y a très peu de vent, là, 7 nœuds. Mmh. Ouais. Un vent un petit peu de côté à 7 nœuds. Bon, il n'y a pas de vent, quasiment pas de vent. Ah non, je te dis des conneries, c'est pas 3... Non, c'est 2000, hein. 2100. 2100, ouais, voilà. Ça me paraissait beaucoup, 3000. Parce qu'il dit, à partir de la balise VOR, c'est 3100, et après tu descends à 2100. Ouais, je pense que c'est 2100 plutôt. Moi, j'ai mis 2000, mais bon... 2100... le cap. Alors la course c'est 0,32. Je vais vérifier, hein. Mmh. Oui, il faut toujours vérifier. Ah oui, moi je vérifie. La 0,3L c'est 52. Non, pardon. C'est 0,35. Tu disais combien toi, 0,32? Ouais, 0,32. Ouais, mais peut-être on n'a pas la même arrivée parce que moi je suis sur une carte. Je suis sur. Bah sur si, carte, la 0,3L. Oui, 0,3L, mais moi j'ai degré 0,32. Eh ben moi j'ai degré 0. Bah tu la vois, hein, sur mon stream, regarde. Regarde sur le stream. Ouais. 0. Ah ouais, moi je suis pas sûr. Je suis pas sur cette carte là. 0,35. Bah c'est la carte de l'aéroport, hein. Bah regarde, moi je vais te streamer mon truc, tu vas voir que j'ai pas la même chose. Parce que toi t'es sur la carte de l'aéroport, mais moi je suis sur la carte de l'approche, de la finale. La carte de l'aéroport, c'est un peu différent, hein, donc bah regarde, finale approche, 0,35. Moi je sais pas où tu vois ton 0,32, mais... Regarde mon stream. Attends, regardez. Si je me mets bien sur la bonne fenêtre. Et c'est Panama City? Eh ben elle est... Parce qu'elle est fausse, hein, ta truc. Bah non, elle est pas fausse, c'est GPSN. Là, regarde. Ah oui, mais c'est parmi par... On est 10 lacs, j'arrive à 10 lacs.
Oui, Toi, mais t'as en... pas la même approche. non, j'ai pas la même approche, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Donc, à la fois, t'es juste et moi aussi, mais c'est parce qu'on n'a pas la même approche, quoi. Mais Donc, c'est... on est Ouais. toujours même à la même piste, mais pas la même approche. Bon, après, c'est un peu bizarre parce que c'est la même piste, alors c'est ça qui est un peu bizarre, quoi. Mais bon, C'est moi... vrai, mais regarde, même là j'ai suivi ma carte, hein. Bah ouais, j'ai... Ouais. Bah écoute, j'en sais rien. Il y a peut-être... Il y a un Ouais, schmilblick. Bon, enfin, bon, à quelques degrés enfin. de... Pour la Oui, c'est pas piste, ça c'est qui pas... va. Ouais, c'est pas. Ça va pas jouer. Énorme. Non. Ouais, parce que des airnaves, j'en ai pas fait de trop. Alors j'espère que je vais réussir. Ouais, mais c'est. Il n'y a rien de. Y a rien de méchant? Non. C'est quasiment comme de l'ILS, quoi. Sauf à la fin, mais sinon. Ouais, à la fin, quand tu vois la piste, enfin, tu fais ton Ouais, truc enfin, tu me manuel, diras, quoi. mais c'est pas. Y a pas... C'est comme de l'ILS. Ok. Il est beau mon avion, il est beau. C'est beau, hein, c'est bio, hein, c'est très très beau. Très 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 très. Moi j'aime bien aussi. Alors après, je sais pas si tu connais Arnold, Dis-moi. mais si par exemple là tu m'as dit ouais, je sais pas si je finirai le vol et tout ça. Ouais. En fait, Oui, alors ça j'aimerais bien savoir comment on reprend un vol. Ouais. tu appuies sur échappe. Ouais, Tu vas alors je vais dans, faire. voilà, appuie sur échappe, tu vas dans charger, sauvegarder. Alors, attends, option d'assistance, option générale, option de commande. Qu'est-ce que j'ai? En bas, Option. en bas, en bas, en bas. T'as En normal. bas, Ouais. option de commande. Ouais. Ah oui, En, charger, sauvegarder. voilà, Ouais. charger, sauvegarder. Et tu fais enregistrer sur ce PC. Et là. Alors, charger puis ce PC. Enregistrer sur ce PC. Ouais, Voilà, ok. tu choisis un emplacement et puis tu mets un titre Ah oui, d'accord, ok. et tu fais Ah, OK ok. et tu attends que l'écran il disparaisse là parce que quand tu Ah ouais. enregistres, voilà. Quand tu enregistres, il va revenir au menu et puis après tu fais reprendre et puis voilà. Et quand tu veux recharger, ben, tu vas pareil, tu fais charger Ah depuis oui, le c'est la PC. même manœuvre. Ah ok, très bien, je savais pas ça du tout. Et Ok. c'est pratique parce que même si tu as un crash, eh ben tu peux reprendre ton vol où t'en étais. Voilà. Alors moi, Ouais, ça c'est super utile. je fais souvent ça avec le top of descent. Juste avant le top of descent, je me fais souvent une sauvegarde. Ouais. Comme Ah bah oui, t'as raison. ça, si je me, si Ouais, si on se je, plante, au moins tu peux le refaire, quoi. voilà, si je me plante, je peux le refaire. Ah bah écoute, je te remercie parce que je connaissais pas. Bah avec plaisir. Je connais pas tout, mais ce que je connais, je peux te le dire. Non, mais bah ouais, c'est bien. C'est quoi? Ah, c'est le bruit serveur. Ah, il y a Chérie, Coca c'est moi qui qui. ai ouvert Internet. Il y a Coca qui a sa femme qui est derrière lui. Attention, Ouais, je hein. connais. Faut faire gaffe là. Chut, tu vois, il nous dit chute. On se tait. Chut. Il ne se passe rien ici. À chacun son fureur, comme on dit. Ah ben, c'est pour ça que moi je suis encore célibataire depuis 8 mois, hein, donc. Toi, t'as pas de fureur encore, mais bon. Pendant 8 mois, mais attention, ça peut changer ce soir, hein, donc attention. Attention, Il faut que ouais. je réfléchisse bien, hein, Il parce faut. que je suis Ah! petit, faut faire gaffe, hein. Des fois, c'est des emmerdes. Ouais. T'as des bons Ah, dis côtés, pas t'as ça, ça les. va me faire peur ce soir. T'as des bons côtés, mais après, Ah ouais, c'est pas tout il y a tout le rose. reste, hein. C'est pas tout rose. Ouais. Comme ça. Eh ouais, mais bon. Bon, c'est bien, t'as le Costa Rica à gauche, là, c'est pas mal, hein, ce qu'on a. T'as la Colombie, Panama, bah, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'ai bloqué mon track hier. T'as déjà fait un beau parcours, là. Ben, 574 nautiques il fait. Moi, j'ai fait les... Ben, Non, mais je veux la dire que moitié. depuis que Ah! t'as commencé, Oui! t'as
t'es en train de faire un beau tour du monde, hein. C'est vachement bien. Hein. Ah oui, toi, la dernière fois que t'as fait le dernier vol avec moi, je crois que c'était sur Seattle, non? Ou par là? Ouais, un truc dans ce coin-là, ouais. Seattle, ouais. C'est ouais, Seattle. Alors, j'ai fait Seattle, Los Angeles, je crois. Ouais. Et il me semble que je suis parti Chicago. Chicago, j'ai fait Washington. Washington, j'ai fait Miami. Ouais, très bien. Miami, j'ai fait. La Jamaïque. Et la Jamaïque, là, Panama. Voilà. Et bon, je vais pas te dire tout le trajet que j'ai fait depuis la France, hein, mais. Bien sûr. Mais en gros, je suis parti de Nantes, et puis Nantes, j'ai fait l'Italie. L'Italie, j'ai fait la Grèce. La Grèce, j'ai fait la Turquie. La Turquie, j'ai fait l'Iran, il me semble, ou Dubaï, par là. J'ai dû aller à Dubaï. Après, j'ai traversé Pakistan. Pakistan, j'ai fait l'Inde. Deux vols en Inde, hein, parce que c'est très grand pour traverser. Ah, l'Inde, c'est énorme. Ah, ouais. Après, de l'Inde, je suis parti à Bangkok, Thaïlande. De Bangkok, j'ai commencé à remonter vers la Chine. Donc, j'étais en Chine, à Shanghai. De Shanghai, je suis parti à... Ben, celui-là, tu l'avais fait avec moi, hein. Shanghai, Hiroshima. La Corée ou Hiroshima, ouais. Un truc au Japon. Ouais. Shanghai, Hiroshima. Après, je suis monté du Japon. Je suis monté au nord jusqu'à Magadan, qui se trouve ici. Magadan, qui est en Sibérie. Et de Sibérie, j'ai traversé jusqu'à Anchorage. Ça, je me rappelle aussi, ça, encore. Ouais, et Anchorage, après, je suis descendu Seattle, voilà. Et après, je t'ai dit le reste, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, je vais un peu traficoter en Amérique du Sud, côte ouest de l'Amérique du Sud, et je vais remonter par la côte est. Et après, je vais traverser de Cayenne à Dakar. D'accord, ok. Voilà. Je pense que ça sera un vol qui sera assez long. Ça sera un beau périple. Un beau périple, ouais, la traversée, là, elle va être un peu longue, mais bon. Ah oui, là, c'est sûr qu'il y a certaines traversées, c'est inévitable. Hein, parce c'est que, inévitable, ouais. Voilà un petit peu le périple, en gros. Hein. C'est très, très bien. Bon, j'ai pas tout filmé sur le live, mais parce que j'avais pas installé. Le début. Ouais. Mais maintenant, je filme à chaque fois mon tour du monde. Non, mais ce sont c'est un beau tour du monde. Et en tout cas, moi, je te rejoins à chaque fois que c'est possible. Je te rejoins dans ton tour du monde parce que c'est toujours un plaisir de voler avec toi. Donc, bien sûr. Voilà, c'est sympa. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est sympa. Franchement, on s'éclate bien. Ouais. Puis je visite, tu vois, j'aime bien. Moi, là, il me tarde de faire l'Amérique du Sud, vraiment. Ouais, c'est chouette. Hein. Parce que l'Amérique du Sud, t'as des aéroports qui sont vraiment hauts dans les montagnes et tout ça. Oui, et... c'est pas des défis, mais quand même, t'es dans des conditions plus... ouais, c'est pas plat, quoi. Ouais, c'est plus difficile. Ouais. Voilà. C'est plus t'as des reliefs, t'as des machins. T'as des reliefs, bien sûr. Mic off. Bon, alors TD-195, je vais bientôt me mettre. Après, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui fait le vol avec toi parce que au moins tu discutes pendant la croisière, tu discutes avec la personne et. Bien sûr. T'échanges et tout ça, quoi. Bien sûr. On échange un petit peu et.
On s'embête pas, quoi. Alors, bonne nouvelle, les amis. Je suis à 100% de satisfaction des passagers. Ah, très bien. Sauf que mes hôtesses, elles ont pas servi les repas. Alors, je sais pas pourquoi. Ah, oui. C'était en option automatique ou il fallait peut-être les appeler? Non. Normalement, ils auraient dû servir. Bah, normalement, si je regarde mon logiciel... Ouais, normalement, ils auraient dû le faire. Elles auraient dû le faire. Ouais. Mais elles me l'ont pas fait, donc je suppose que elles ont pas envie. Je vais quand même regarder s'ils ont soif, parce que autrement ça va me faire perdre des... Bien sûr. Des points. Des points. Donc on a dit que c'était le drink. Hein. Ouais, la boisson. Non, ça c'est la santé. Les boissons. Bonne question. Alors, satisfaction. Le Thirst. Ouais. Le Thirst. Bah non, ils sont tous verts, ils ont pas soif. Bon, bah ça va alors. Ils ont pas soif. T'as fait un vol de quoi? Une heure et demie? Avec la préparation de l'avion? Non, juste le vol avec les gens dedans, c'est quoi, une heure et demie? Juste le vol? Ben là, on est à presque une heure là. De vol. Il est pas fini, donc ça fera, ouais, je pense, une heure et demie. Ouais. C'est ça. Que de vol, hein, sans compter la préparation de l'avion. Ouais. Hein. À partir du décollage jusqu'à l'atterrissage, je pense que ça fera une heure et demie. Je trouve qu'il faut compter entre 20 et 30 minutes pour une préparation de vol, parce que pour bien faire tout dans l'ordre, tout installer, je trouve que 20 minutes, une demi-heure, je trouve que c'est bien. Alors, des fois, c'est plus, hein. Parce que hier, par exemple, ou avant-hier, je sais plus, j'avais mis un plan de vol, et quand je l'ai regardé, l'arrivée n'allait pas du tout. Donc, il a fallu que, je trificote dans les points d'arrivée, enfin. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que moi, pour les passagers, et puis avec le petit logiciel que j'ai de passagers, là, je prévois toujours une heure, au moins une heure d'avance de préparation. Voilà. Au moins, je suis large. Voilà. Ouais. Et même si je suis dérouté. T'es à l'heure pour repousser, t'es à l'heure. Je suis à l'heure pour le repoussage. Voilà. Il vaut mieux être en avance qu'en retard, quoi. Ah ouais, carrément. Donc on arrive bientôt. On a fait les trois quarts là, hein, facile. Ouais. Les deux tiers, pas les trois quarts, mais les deux tiers. Les heures, Zoulou, tu fais comment? Tu retires une heure, tu retires deux heures? J'y comprends jamais rien. Deux heures. Deux heures. Ouais. Donc si tu vois 20h28, tu retires deux heures, quoi, c'est ça? Non, tu rajoutes deux heures. Là, il est 15h19 dans le SIMU. Et regarde ta montre sur ton ordinateur. Non, mais moi, c'est parce que j'ai bougé mes horaires. Donc, je suis pas dans... Oui. Donc, en fait, tu retires deux heures. Non. Tu rajoutes deux heures. Tu rajoutes deux heures à l'heure Zoulou. À l'heure Zoulou, ok. Là, par exemple, moi, j'ai 15h19 dans mon SIMU. 15h20 maintenant. Ouais, donc, ce qui correspond à 17h20. Ouais, okay. Et ce qui correspond à 17h20 ici en France. Ouais, ok. Donc, faut rajouter deux heures. Ok. Je ne savais jamais, tu vois. Donc. Et puis, parce que tu as un indicateur d'heure par rapport au point de passage, quand tu arrives à un certain point, tu as un horaire qui défile hein, sur le legs. Hein. Et c'est vachement intéressant d'ailleurs parce que. Non, c'est peut-être pas sur le legs. Non, c'est dans le programme. Dans le programme. Dans le programme. Ça t'indique, ça t'indique à peu près vers quelle heure tu vas arriver à tel point. Et ça, c'est vachement sympa, quoi, parce que tu vois vraiment le. Ouais. Là, par exemple, moi, j'ai vers Dagas, D-A-G-A-S, ouais. et il me dit à 15h26, je passe le point. Ouais, tu vas arriver sur ce point-là, vers 7h. 15h26, Zoulou, ben, je suis à ce point-là. Okay. Et en bas, tu as à quelle heure tu commences le top of descent? Moi, ça sera à 15h36, Zoulou. Ouais, et je suis à 116 nautiques du ouais, point of descent. Ah, c'est super pratique, ça. C'est super bien, ouais. Ouais. Et il te donne la distance à laquelle tu es des points, et ça c'est bien aussi. Ouais, c'est super cool, ouais. C'est super cool, ouais.
Et pour ça, ben, il faut appuyer sur la touche programme ici Ah oui. quand vous êtes en vol, quoi. Et puis t'as le TD, t'as, il faut appuyer là-dessus et après t'as le TD aussi qui t'indique à quel moment l'avion va descendre. Le TD un peu plus bas, ouais. Ouais, un petit peu plus bas, ouais. Exact. Top of descent. Top of descente. Bon ben moi tout se passe bien pour l'instant. Bah écoute, pour moi aussi, tout se passe bien pour l'instant. C'est toujours bien de le dire, le pour l'instant. Moi aussi, Ouais. il faut le dire tout le temps, parce qu'on ne sait jamais. On sait jamais. On a vite fait de faire une bêtise. Ah bah oui, vite fait de faire une bêtise, d'avoir quelque chose, un souci, un problème, un truc, quelque chose d'inattendu. Et encore, on simule pas les pannes, on pourrait, hein. Mais Ouais, surtout que le 737 sait le faire, de PMDG, c'est simuler des pannes. Il y a des options là-dessus, hein, Bien sur les sûr, pannes, je bien crois. sûr, bien sûr. Il y a des Il options si tu veux mettre y des pannes, a, y a des etc. options, il y a des options pannes, hein. Bon, en général, Ouais, la dans panne, la vraie vie, c'est. ils ont pas vraiment beaucoup de pannes. Ça arrive, mais bon, c'est rare quand Ouais, même, hein. c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Normalement, un avion, il doit marcher Ouais. correctement, Ouais, quoi. c'est la panne de merde, quoi. Ouais. Ou alors, ouais, c'est. Mais ça arrive, hein. Voilà, hein. Bien C'est. sûr, bien sûr. Et ça arrive surtout parce que les mecs de la maintenance, des fois, ils font des couilles. Et puis, Ouais. y a eu beaucoup d'avions qui sont écrasés comme ça. Enfin, notamment un que j'avais vu. Le mec, il avait mis du scotch sur la sonde Pitot parce qu'ils étaient en train de repeindre ou je sais pas quoi le Ouais, fuselage. sur une connerie, quoi. Une connerie. Et ils ont Quand ils font oublié, ce genre, c'est incroyable. D'enlever le C'est sûr. scotch. Alors Sonde là, Pitot, voilà. ouais, Et le oui. commandant, quand il a fait le tour, parce que t'es obligé de faire le tour de ton avion avant de faire un Ben. décollage, il n'a pas vu non plus. Et puis ils sont partis. Et puis juste après le décollage, ben tout s'est mis à déconner puisqu'ils n'avaient pas de airspeed, de machin, de Bah, c'est rien. normal, hein. Et ben voilà, accident. Et puis voilà. Et puis mort. Et puis etc. Tout ça pour une connerie de scotch, quoi. C'est ça. Mais bon, les avions, ils sont fiables. Enfin, comme on dit, c'est le transport le plus sécurisé Bah bien sûr, même par rapport à la à la voiture, voiture. l'avion, quand même, regarde la voiture, on ne fait pas le tour de sa voiture pour vérifier que tout est en conforme. Non. Là, il y a tellement de checklists, tellement de vérifications, il y a tellement d'avions qui volent, Ouais. c'est très très fiable. Bon, évidemment, quand il y a un crash, ça fait beaucoup d'un coup. Ouais. Mais Mais bon, si on compte le pourcentage d'avions. on risque moins en avion qu'en voiture. En voiture, Ouais, c'est ouais. plus risqué. Après, franchement, si t'as un accident d'avion, c'est vraiment pas de chance, Ah bah quoi. si tu tombes dessus, ouais, ça, le risque zéro. Après, il faut se méfier de des compagnies aussi, parce que t'as des compagnies low cost, là, Ouais, c'est vrai. elles tirent tellement sur les budgets qu'après les maintenances. J'avais vu, tu sais, les émissions de crash et tout ça, là, que tu regardes Ah ou ouais, tu. crash accident là, Ouais. ouais. Et ben à un moment donné, je sais plus quelle compagnie, je crois que c'était une compagnie, ben justement panaméenne, il me semble, hein, mais je suis pas sûr. Ah Ils avaient tiré sur la corde et au niveau des pièces ouais. des avions, ils avaient fait, ils prenaient des pièces un peu de contrefaçon quoi. En gros, c'était pas les pièces D'accord, d'origine. d'accord. Certaines compagnies africaines, pas toutes, mais certaines compagnies, pareil. Ouais. Et puis du coup, bah, accident aussi Ah parce que les bah ça, pièces, c'est certain. voilà, Ouais. pièces non conformes, qui durent Ouais. moins Ou même longtemps, qui qui joue se de cassent 5 ou plus. de 4 ou de 3, des fois ça s'est joué à 1 mm, hein. Donc des fois, la compagnie aérienne, bon, tu payes un peu plus cher, mais au niveau, tu es sûr que derrière le boulot, enfin, normalement, est fait correctement. Voilà. Bon après tu vas me dire moi ça fait très 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 longtemps que j'ai pas pris l'avion. Donc bon. Et puis la dernière fois ça m'a laissé un mauvais souvenir, j'étais malade. Alors moi la dernière fois c'était pour aller en Grèce. Alors il y a eu une panne de la climatisation, donc c'était un peu particulier. C'est une compagnie aérienne, je ne sais même pas le nom, je ne saurais même pas te dire le nom.
Donc 737. Et puis finalement, bon, ça s'est bien passé. Et alors, bon, j'étais bien au courant au niveau du démarrage du moteur, il fallait couper les PAX pour la clim. Ouais. Il y avait un petit problème, tout ça, etc. Donc du coup, on n'avait pas de clim dans l'avion avant de faire le pushback et tout le monde était en train de transpirer, mais comme des malades. Ouais. Et après, j'avais discuté avec l'hôtesse et l'hôtesse m'avait dit oui, parce qu'on peut pas, pour démarrer les moteurs, on peut pas, il faut attendre que le. Ah oui, tu coupes les PAX, soit lancé, ouais, ouais. Tout ça, etc. Enfin bon, voilà, et moi j'ai capté tout de suite le souci, quoi. Et alors, t'avais tout le monde qui gueulait dans l'avion, transpirait à mort et tout, qui n'en pouvait plus. Mais alors, après, moi j'avais un voisin qui était hyper excité à côté de moi. Il me disait, ouais, allez, vas-y, fais ton pushback, allez, arrête tes conneries, allez, tu sais pas voler. Enfin bon, il était un petit peu chaud, quoi, le gars. Bon, j'avais voulu lui dire, le pilote, il peut rien, c'est voilà, c'est comme ça, c'est la compagnie, l'appareil, machin, tout ça. Puis après, ça s'est arrangé, et le vol a été nickel, hein, ça a été superbe. Hein. Bah après, il était. Bon oui, c'est qu'il a éteint les PAX, c'est pour allumer les moteurs, ouais, c'est tout. Bah oui, exactement. Mais il a peut-être mis un peu de temps, c'est pour ça que vous avez. Non, il avait un souci, il avait un souci au niveau de l'avion, au niveau de l'air, il avait un souci pour de pressurisation peut-être. Voilà, de pressurisation, il avait un souci, donc il fallait vraiment qu'il lance la procédure. Et dès qu'on a fait le pushback, après ça y est, ça s'est allumé, et après c'était terminé. Tout vol, c'était impeccable. Mais juste la période avant, il y avait un problème. Je crois qu'il y avait un problème de connexion sur les générateurs extérieurs. Moi, en température, dans l'avion, j'ai 24. Tiens, je vais descendre un peu. C'est un peu chaud, oui, 24. Oui, c'est vrai, on peut les régler aussi, les températures, on peut les régler. Bah, j'essaye. Je sais pas où. Au-dessus des PAX, t'as deux rotatifs avec, avec la... Ah oui, je vois. Là, moi, j'ai une température de 21. Bah écoute, j'essaye de baisser, je crois que c'est là qu'on baisse, mais ça n'a pas l'air de baisser. Alors, donc, cold, hot, mais alors je sais pas trop. Moi je vais me mettre en cold. Ah oui, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Là j'ai 20. Ok. Je vous dis à tout bientôt. À tout bientôt. Ça marche. Allez, ciao ciao. Ciao ciao, à bientôt. Ouais, donc j'ai mis 21 degrés. Ouais, c'est bien 21. Ah bah c'est bon, ouais, moi je suis à 21, je vais rien toucher parce que là c'est bon. Moi ouais, il devait avoir un peu chaud à 20, 24. Ouais. Ouais, il est vachement bien cet avion, hein. Il est ouais, moi je l'adore. De toute façon les PMDG j'ai toujours... Moi j'attends le 900 là, 700. J'ai toujours... Mais attends, quand on va avoir même les 747 PMDG et tout, 777 PMDG, ça va arriver. Hein. Ça va prendre du temps, hein, mais ils vont développer et ça va être vraiment, vraiment, vraiment bien. Est-ce que le cockpit, il est à peu près pareil du 777? Ouais, de toute façon, la politique Boeing, c'est... C'est pareil, c'est à peu près pareil. Même, ouais. Ouais. Tu sais voler sur le 737, tu sais voler sur tous les appareils. Après, bon, évidemment, tu as des nuances, tu as des différences, mais en gros, c'est une façon de voler sur Boeing. D'accord. Et une façon de voler sur Airbus. Donc, c'est deux philosophies très différentes sur le fait de voler, quoi. Mais t'es pas dépaysé, quoi. Tu t'y retrouves assez vite. Hein. Après, je referai un tour du monde, je pense, en Airbus. Je vais refaire, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je partirai bien sûr de France. Mais au lieu de partir vers l'Asie, je vais descendre en Afrique et recouper de Dakar sur l'Amérique du Sud. Je vais le faire à l'envers, en fait. Je vais le faire à l'envers de ce que je viens de faire. Je peux le faire à l'envers, ouais. Moi, faut que je m'y mette, hein, Phoenix. Mais j'ai la flemme parce que je suis tellement bien en ce moment que, avec le Boeing, que... Voilà. Puis disons, quand tu sais maîtriser quelque chose, enfin, quand tu commences à maîtriser un peu, c'est là où tu prends du plaisir, quoi. Tu prends du plaisir, bien sûr, puisque tu arrives à faire ton vol, quoi. Fait. Ouais. Moi, je suis passé à 99% de satisfaction. Bon. Il y en a un qui a dû attendre devant la porte des toilettes et puis ça l'a énervé. C'est ça.
C'était le rebelle. C'est le rebelle. On n'aura peut-être pas trop de nuages, je sais pas. Moi, ça doit aller. C'est un peu éparse, mais. Ça, ouais. Mais moi, ça augmente un petit peu. Je suis devant toi, donc je vois que c'est en train d'augmenter un peu. Ça reste raisonnable, mais. Ok. Alors, pour l'instant, c'est vrai que dans le PMDG, ce qui est météo, sur P3D, il y avait ActiSky qui faisait la fonction. Mais il manque un petit outil pour que ça puisse être implémenté vraiment dans le où on voit les nuages, si tu veux, au niveau de l'écran du 737. Mais bon, ça va se corriger. C'est pour ça que sur le piédestal, hein, c'est marqué Weather plus terrain inopérant. INOP, c'est marqué. Avec une petite étiquette jaune en disant que bah voilà, pour l'instant c'est pas fonctionnel. Et sur P3D, C'est cette le... option elle est fonctionnelle. Oui, c'est le radar météo, ça. Ouais, c'est le radar météo. Donc ça te détecte les orages, ça te détecte des choses très intéressantes. Mais Ils vont le faire, ça ils va vont le venir. faire, ils vont le Ah, faire. ils vont le faire, ils vont le faire. C'est juste que en fait, PMDG, il n'a pas accès à tous les outils d'FS20. Et avec Asobo, tout ça, ils sont en train de discuter et s'arranger pour que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi. Donc Ils vont mettre une ça va venir. tablette aussi, pareil. Et tablette aussi. Ah bah alors là, je pense que la tablette, on va les avoir sur les versions des autres Non, des F737. ils ont dit qu'ils allaient le faire sur celui-là. Hein. Ils vont implanter La ça. Ce sera tablette. vraiment très très bien parce que tu auras ta tablette. Je veux dire sur les cartes, tout ça, etc., qui vont arriver sur la gauche. Là, sur la 320, on l'a, mais là, sur PMDG, on ne l'a pas encore, Mais mais ça ça va va arriver, arriver. ouais, je pense, Ça va ouais. arriver, il faut être patient. Je pense, hein. Il y a tout le monde. Ouais, si, c'est sûr que ça va arriver. Mais il me Il y a trop semble de fonctionnalités. que Xo, il m'a dit que oui, qu'ils allaient le foutre la tablette, donc Oui. il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises. Oui, si. Mais là, ils travaillaient. Alors moi, j'ai lu leur dernier truc là. Ils travaillaient sur les essuie-glaces et tout ça, parce que les essuie-glaces, c'est bon, ils fonctionnent. Exactement, ouais, c'est Ils pas font, ça. ils, ouais, ils fonctionnent, mais ils disaient qu'ils allaient trop vite par rapport à ce que Oui, c'était normalement. non seulement ça, mais c'est pas réaliste, ça chasse pas l'eau, Et quoi, ça tu chasse vois, pas donc l'eau, ouais. normalement, hein, voilà. Donc normalement, tu as de la flotte qui tombe, il pleut, ça tombe sur le. Et alors, l'eau, elle s'évacue sur les côtés. Et pour l'instant, ils ont pas encore Mais ils amélioré travaillent, ça. ils Mais travaillent. voilà, ils y travaillent, il y a des mises à jour, c'est très suivi, donc. C'est pas des avions qui sortent et puis tout d'un coup ils sont à la ramasse, on n'en entend plus parler parce que voilà, non, c'est vraiment du Non, costaud, ils bossent c'est dessus, hein. suivi. Ah ouais, ils bossent dessus tout le temps, ils sont et quand ils sont pas prêts, ils sont pas au point, comme PMDG, ils le sortent pas. Donc ils n'hésitent pas de. Alors tout le monde était impatient, mais tout le monde était comme des fous à attendre ce PMDG, on a attendu longtemps, mais moi je trouve que c'est bien, c'est une bonne politique, parce que c'est une politique à avoir un avion fiable pour voler, et là on a un avion qui est très fiable pour voler, qui est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. On a juste des améliorations, mais c'est des petites améliorations qui sont mineures, qui sont pas majeures. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as mis à jour, toi, ton PMDG, mais il y avait une Ouais. mise à jour, hein, dessus. Oui, il y avait une mise à jour, oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bah, je suis en train de parler dimanche, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une mise à jour. Les mises à jour de livret et mise à jour de l'appareil. Oui, c'est ça. C'est important d'être bien à jour parce que Ah ça bah joue, oui, hein, au niveau ouais. amélioration. Donc, Alors, TD dans 44, alors là, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Ouais, moi je passe le top of descente là. C'est Top of par... descente c'est 43. c'est parti. Ah, t'es en top of descente, toi? Ah oui, mais c'est parce que t'es plus haut que moi, donc c'est normal. Moi, je suis plus bas, je suis à.
à 24 000 pieds. Donc c'est normal. Toi, t'es beaucoup plus haut, donc du coup, tu descends avant moi. C'est tout à fait normal. Alors, before top of descent, FMC approche speed. Ok. Localise fréquence de la tour, c'est bon. ILS, il n'y en a pas. Altimètre, c'est ok pour l'instant. Je me pose avant 18h, j'espère que je vais le faire. Nous avons commencé à descendre vers notre destination. Sinon, bah, je ferai la méthode que tu m'as montrée. Ça m'a l'air très très bien. Assurez-vous de boucler votre ceinture de sécurité. Et pour des raisons. Mais ça devrait aller, ça va le faire. Et voilà, on descend. Ah ben, c'est parfait. Merveilleux, hein. Il réagit parfaitement. Hein. Même au niveau des routes, il y avait un avion qui était excellent, c'était le 787 P3D, 787 de Quality Wings. Vraiment une société vraiment très sérieuse, qui était très bien. Mais le problème, c'est que en fait, ces routes, c'était bien, mais des fois... c'est pas qu'il suivait pas bien, mais je trouve que PMDG au niveau des routes, il prend ses courbes de manière. Si le yaw damper il est bien enclenché, je trouve que voilà, il capte bien. Enfin, c'est un plaisir quoi. Il trouve vraiment les routes qu'il doit prendre. Il prend ses virages de manière bien arrondie, soft. C'est parfait. Mais Quality Wing, normalement, avec son 787, il était prévu qu'il vienne sur FS20. Donc, bon, ils y viendront peut-être, hein, mais c'est long hein, de développer un avion comme ça, sur une plateforme comme ça. Ah bah oui. En plus, même s'ils étaient sur d'autres simulateurs, ces sociétés, donc il faut tout transcoder, tout remettre, c'est pas les mêmes outils, il faut qu'ils aient accès à beaucoup de choses. Et c'est des équipes de développement, donc c'est... Ouais, mais enfin, bon, ils gagnent du pognon derrière, hein. Ah bah, bien sûr. S'ils ah, le bah, font... Ils le feraient pas, hein, sinon ouais. C'est pour ça que, bon, c'est vrai que c'est peut-être cher PMDG, mais en même temps... Ah, on a la qualité, quoi. Je travaille pas pour PMDG, mais je veux dire, c'est... T'as de la qualité. C'est de la qualité. Tu paies, mais t'as de la qualité, quoi. Ouais. Tu paies, t'as de la fiabilité et de la qualité, quoi. Et de l'authentisme. De l'authentisme, tu sens que t'es pas sur un genou, quoi. T'es que t'es vraiment sur un truc. L'authenticité, voilà. L'authenticité, ouais, de l'appareil, quoi. Tout est fonctionnel ou pratiquement. Ouais, enfin, bon, il manque quelques petits trucs de développement, ouais, mais. Il manque quelques petits trucs, mais je veux dire, c'est. C'est fonctionnel quoi, l'avion il est fonctionnel. Tout est fonctionnel hein. Partout, t'as pas de surprise. Oui, si, c'est vraiment très 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 bien. Hein. Même les fusibles, il me semble, non? Je sais plus. Dans les fusibles. Les fusibles, je suis pas sûr. Hein, certains, mais... non? Par contre, sur le Phoenix A320, les fusibles, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent. Donc le Phoenix, c'est. Ouais, le Phoenix, c'est un gros truc aussi, hein. Mais bon, après, est-ce qu'on a besoin de trifouiller dans les fusibles? Je ne sais non. pas. Non, normalement, non. il vaut mieux pas y trifouiller. Déjà là, c'est déjà quand même pas mal. Ouais, non, c'est... Ouais, on va pas trifouiller là-dedans. Bon, ben alors, voilà le panne. De descente, 8 nautiques miles, donc c'est bon ça. Bon, j'aurai un peu de retard, je pense que je vais me poser vers 6h15, donc je vais retarder mon truc. Comme ça, je peux me poser. Putain, ils ont crié un peu, mes passagers. Ah.
Pourtant, t'as rien fait. Ben, j'ai pris un virage qui était. Non, mais Non, même pas, je non. suis le plan de vol, mais bon, Bah ouais, ils ont eu non. peur, je sais pas pourquoi. Moi, je sais pas, ouais. Ils ont vu une mouette qui s'approchait Ah du hublot et se sont dit, c'est quoi ça? ouais, c'est ça. Vous avez pas grand monde qui regarde la vidéo aujourd'hui, le Twitch. Mais Il y avait plus bon. de monde ces derniers temps? Ouais, bah bon, après, faut. Oh, oui, le soir, t'as plus de monde, mais moi, si tu veux, le soir, je Ouais, suis un c'est peu ça. cassé, quoi. Bah oui, bien sûr, bah je comprends, hein. Bon, allez, c'est parti, je descends. Je suis plus du matin ou de l'après-midi que du soir. Bien sûr, Et ouais, bah puis non, mais. le soir, j'ai des CS, moi. Donc, je préfère filmer Ouais, des tu peux CS, pas être quoi. partout non plus, et puis tu étais sur beaucoup de plateformes, alors donc On peut pas être c'est sûr partout, que hein. tu peux pas être partout en même temps, donc il faut que tu choisis tes créneaux. Mais je reviendrai voler avec toi, Nostro, avec grand plaisir, parce que c'est toujours agréable. Bien sûr. La journée, je sais que la journée pour faire du FS 20, c'est vachement bien. Je vais faire une sauvegarde puisque je suis en descente. Allez. Parce que si je rate mon atterrissage, Oui, au moins tu le récupères. eh ben au moins je récupérerai. Parce que la vidéo où j'étais avec le pilote là, qui était gentil comme tout Oui. là, Oui. il m'a beaucoup parlé, mais bon, ça m'a déconcentré. Ah bah ouais, bah c'est ça, ouais. Et du coup, à l'atterrissage, j'ai oublié de sortir le train comme un imbécile. Ouais, mais est-ce qu'il vole sur FS20, tout ça? Non, il Bah, vole peut-être pas, il se balade et puis voilà, non? il vole en vrai, mais après, il vole Il vole, ouais, mais en est-ce qu'il triple vole 7. en. Ouais, il vole en 777, mais est-ce qu'il vole vraiment sur Simu, sur Pour FS20 l'instant, non, parce qu'il a pas de PC. Il m'a dit qu'il allait bien. Ah bon? Ouais. Ouais. Mais pourquoi pas? Il m'a dit pourquoi pas. J'envisage peut-être de. Voilà. Mais après, ce qui l'intéressait peut-être plus, enfin, ce que moi j'ai senti, c'est peut-être justement de regarder des streams comme ça et de. Ou de venir sur les Discord et qu'on Ah, d'apporter diffuse. des corrections sur ce qu'on fait, quoi. Ouais, d'apporter des. Être un peu instructeur, voilà. Ouais, ça c'est intéressant, ça. Et c'est ça serait super intéressant, quoi, ouais, Ah, moi. oui, parce qu'on s'améliorerait, quoi. Bah, surtout que ces pilotes, quand ils font des séances de simulation, ils vont dans un vrai simu, quoi. Ils vont pas sur un PC, quoi. Ils ont en principe. C'est ça. Sur un simu, sur vérin. Non, mais il avait l'air de dire que FS c'était quand même bien. Bien modélisé. Ouais, bien poussé quand même, quoi. Ouais. Mais FS, c'est FS, c'est surtout les avions qui, par exemple, ce qui est très important, c'est que le 737 PMDG, sa physique de vol est indépendante de FS. C'est-à-dire que il est autonome par rapport à FS20. C'est-à-dire qu'il réagit. Il suit FS20, mais il reproduit lui sa physique de vol à lui et pas la physique de vol d'FS20, qui Ouais. est supérieure encore. Bah, ils ont dû prendre les courants les courants ascendants et tout ça de FS. Mais ils ont dû Oui. quand même ils ont par contre pris la physique de l'avion réel. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, ils sont sur la physique de l'avion réel, c'est ça. Donc après, les vents sont injectés, tout ça, etc. Mais l'avion, il réagit, c'est l'avion qui fait tout, là, hein, sur... Ah ouais. Bon, bah c'est bien sympa, je suis à 13 000 pieds, c'est parfait, pour l'instant. Check altitude target, alors, bon...
À combien t'as dit que tu étais en pied? Là, moi, je suis à En niveau? 14 000. En niveau, ouais. Bon, là, je suis à 14 000, je suis en pied. Moi, je suis à 15 000 et je suis toujours en STD. On est presque à la même altitude, mais on fait pas la même approche. Alors, Non. pour l'instant, moi, j'ai pas d'alerte ICAS ou quoi que ce soit, donc bon. Non, moi non plus. Y a des nuages un petit peu, hein? Finalement. Oui, si, si, il y a des nuages. Après, c'est sympa, hein. Ouais, je vois ce qu'il va me faire. Il va là, en fait. C'est une main gauche qui est en train de me faire là. Putain, là, il me casse ma vitesse. C'est parfait. Ah, je suis tout bon niveau vitesse, niveau. Ça À suit le partir de plan. 150, on peut déjà sortir un volet. En dessous de 250, ouais. Ouais. Un cran. Mic off. Alors, Drag Require. Alors, ça, c'est les spoilers que je dois sortir. Qu'il arrive vite. Et faut que je le freine. Mic on. Ça ne me surprend pas. Oh, c'est magnifique, hein. C'est beau, hein? C'est beau. Il y a des sacrés nuages, je sais pas chez toi, mais moi chez moi. Voilà, moi c'est pareil. J'ai des nuages chez moi. Il y a des gros nuages là-bas, mais les pistes on les voit dégager apparemment. Et même j'ai des tons gris dans les nuages. Vraiment incroyable. J'ai rarement vu ça. Oh, c'est chouette. Vraiment chouette. Bon, les pistes elles sont dégagées de nuages, donc ça devrait aller. Ouais, ça va aller. Regarde, il y a de la flotte devant. Je vois un filet de flotte. Je vais être en dessous les 10 000 bientôt. Ouais, 12 000. Alors là, je vais falloir que je précipite Allez, les choses. Hein. landing. Mais pourquoi je peux pas? Voilà. Logo Hangwind. Eh ben allons-y, le logo. Les passagers ceinture. De la ceinture de sécurité. Veuillez attacher vos ceintures dès que possible. Merci. Je me demande si je fais pas un hold. Ah, comme tu veux. Là, parce que je suis très 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 tôt. Moi ça va, ça suit le plan. Ouais, ben moi je me fais un hold. Voilà. Parce que j'estime que une aptitude trop élevée par rapport à mon arrivée, donc du coup je prends la hold, y a pas de souci. Personnel de cabine, veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage. Alors voilà, et puis on va descendre tranquillos.
je fais bien de le faire. C'est parfait. Faut que je ralentisse aussi, moi, tiens. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point d'atterrir. Veuillez vous assurer que votre ceinture est attachée et votre dossier relevé. Tous les sacs doivent être placés maintenant sous votre siège. Merci. Il n'a pas aimé. Il a pas aimé. Ouais, il a sonné quand j'ai sorti évolué, mais c'est parce que j'étais à. Non, c'est pas grave. Tu sais, quand tu passes les 15 degrés, je crois que si tu sors pas le train, il est pas content. Oui, oui, c'est ça, il est pas content. Ouais. Mmh. Ouais. Ok. J'ai rattrapé le plan. Ah, on va passer dans les nuages un petit peu, mais... C'est pas bien grave. Allez, je vais sortir le train. Personnel de cabine, veuillez vous préparer pour la... Voilà, ben j'ai retrouvé ma courbe. Je descends déjà à 3009 et je dois atteindre 2000 pieds. Non, pas l'autre. Pas longtemps, donc là c'est ça, parfait. C'est votre capitaine qui... Donc heureusement j'ai fait mon vol, sinon... Vous avez décidé d'effectuer une remise des gaz en raison des conditions d'atterrissage défavorables à l'aéroport d'arrivée. Il n'y a absolument rien à craindre et c'est une procédure parfaitement normale que nous effectuons pour assurer la sécurité de l'avion si nous pensons qu'un atterrissage ne peut pas être effectué en toute sécurité. Nous allons nous préparer pour une autre... Putain, c'est nuage. J'espère que les conditions de temps se seront améliorées pour que nous puissions atterrir rapidement. Nous nous excusons pour ce léger inconvénient. Merci de maintenir vos ceintures de sécurité attachées. Alors, je vais me préparer en configuration d'atterrissage. Ouais, c'est bien ça. Tu te mets en mode approche, pareil ? Oui, oui, je me mets en mode approche, c'est-à-dire je me mets en mode... Oui, configuration d'approche, voilà. APP, quoi. Ouais. Là, j'ai un point à 2000 pieds, là. Je suis à 2200, donc je vais l'atteindre tranquillement. Je vais faire mon virage et après, ça ira très bien. Mmh.
On se remet en QNH. QNH 10-11. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Ma vitesse d'atterrissage, c'était quoi déjà? Il y en a mal à pète plus. Bon, ça. Merde. Non, c'était où déjà? C'était dans. Ah, oh, j'ai un trou de mémoire. Init référence, index approche. 128. Et je vois des pistes devant, je suis au 0.38. On va le laisser faire. Alors, je vais me recaler un petit peu dans mon siège, histoire de. Histoire de. Ouais, de bien se caler. J'ai dit 128. Il me dit de drag un peu, mais bon. Je suis presque à 128, donc. Voilà, la PP c'est bon. Allez. Pour l'instant, je suis dans le nuage, donc je vois pas grand chose. Pareil, il y a des nuages ici, hein. Je vais le laisser faire pour l'instant. Je vais enlever ça. Putain, okay. Je suis en plein dans le nuage, quoi. Sérieux. Mais ça va le faire. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ouf, le trou d'air qu'il y a eu. Je peux pas te regarder en même temps parce que comme je vole, j'arrive pas à regarder le Twitch en même temps parce que je vole. Mais je suis sûr que ça va être très bien. J'ai eu un trou d'air, mais je vois pas bien la piste. Moi non plus, je la vois pas. Ah si, elle est devant là-bas. Je suis un peu rapide. Je suis dans l'alignement de la piste. Ok, moi aussi. Du coup, je vais sortir l'autopilote. Je vais enlever l'autopilote. Hein. Tu la vois la piste? Oui. Ouais, moi je la vois pas encore. Par contre, il y a des turbulences, hein, je te le dis de suite. Ah ouais, ça va peut-être secouer, ouais. Ouais, ça secoue, hein. Ok, bah c'est bon de me prévenir, mais je le sens. Bah je me demande si je te vois pas devant. Parce que là, je vois un. Bah, moi, je suis en longue finale, là. Ah, ouais, ouais, t'es devant moi, je pense. Waouh, c'est magnifique. C'est beau, hein. Ah là là, je prends un pied, là. C'est bon, il a capturé le lock, le vor. Pied. Approaching minimums. Minimums. Et piste en vue. Magnifique. Le temps c'était pas si évident que ça parce qu'il y avait beaucoup de nuages. Il y a des turbulences, beaucoup de nuages.
Je suis un peu bas, mais... Alors... Ouais, c'est un peu... Il faut que je rentre quand même mes spoilers, quand même, ça serait quand même bien, et que je les arme, ça serait encore mieux. 30, 20, 10. Voilà, donc là, ça y est, c'est bon, chou. Alors là, je suis calé, hein. Donc c'est parfait, je devais quitter à 18h. 18h02, je me pose. Bah écoute, moi ça y est, je suis posé. Je vais juste demander à la tour le... Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous rappelons que tous les appareils électroniques doivent rester éteints jusqu'à la sortie de l'avion. Je vous remercie. 300. Par contre, je sais pas où c'est la sortie, quoi. Il n'y a pas de sortie? Ça doit être sur la gauche, mais je sais pas s'il y a beaucoup de bâtiments ici, hein, donc... Attends, c'est quoi ce Bins? Il y a un aéroport, mais il n'y a pas de... Il y a la piste? Attends. C'est bizarre. Oh, c'est quoi cette piste cabossée? Moi, elle n'est pas cabossée, moi. Bah moi c'est complètement cabossé. C'est bizarre ça. Oh, j'ai vu une piste, laisse tomber. C'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de... Je comprends pas. comment ça, je ne comprends pas. Alors attends, je vais regarder sur Navigraph l'aéroport d'arrivée. Ah ok, il faut tourner à droite. Oh putain, le truc. Ils vont me faire rouler dans un chemin de campagne bientôt, tu sais. Je te suis parce que je te vois juste devant là. Mais alors, laisse tomber là, c'est un truc, c'est. Non, non, mais ça c'est pas normal. Si, là de montagnes russes, genre foire foraine. Bah, moi c'est pas les montagnes russes, c'est que les taxis sont bizarres quoi. Mais non, mais moi c'est du montagne russe sur les pistes, mais bon, je me suis posé quand même dessus et. Mais non, mais moi elle est plate, hein. La piste est plate, c'est toi qui as dû rebondir. Bah non, non, non. Ah bah attends, je te fais une photo de la piste, tu vas rigoler, hein. Je te jure que tu vas rigoler, hein. C'est un truc de malade. Attends, les taxis, ils sont en terre, t'es sérieux, toi? Où est-ce que tu m'as emmené? On est à Panama City, mais les taxis sont en terre. Non, 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 ça non. Si, 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 je t'assure. Bon, allez. Passons. Allez, je vais te suivre parce que je ferai une photo après parce que j'ai pas le temps de faire des photos. Faut que j'y aille. Ils crient, mes passagers, ils aiment pas être dans la terre. Ça, tu leur diras que c'est la campagne, c'est la nature, c'est écolo. Putain, je perds tout mon pourcentage, quoi. Sérieux, ouais, bah attends, mais c'est un truc de malade. Mais c'est me poser sur une piste comme ça, on dirait. Je me suis posé sur le dos d'un dragon avec le dos d'un dinosaure, je ne sais pas quoi. C'est tellement c'est dingue. Je leur ai mis un peu de musique histoire de les détendre, mais... Ouais, détends-les. Mais ils ont pas l'air contents, hein, dis donc. Non, bah oui, parce que... Et alors là, bon... Bah oui, c'est pas ma faute, moi, si la piste est en terre, c'est pas ma faute. Je me suis posé sur le champ de mon voisin, quoi. Donc je te suis, hein, je te vois devant, là, moi, je te suis, hein... Bah suis-moi, moi j'ai la carte sous les yeux. La moutarde qui est en face de toi aussi, c'est un truc de fou. Bah oui. Si si, c'est par là qu'il faut aller pour rejoindre les portes. Bah en fait j'aurais dû faire demi-tour sur la piste, j'étais con.
C'est un truc de fou. Mais au Panama, ils ont pas de sous, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a les Panama Papers, ah, mais c'est tout. Ouais, c'est plutôt. C'est One Again, hein. C'est One Again. Non, mais alors, attends. Non, mais là, c'est quoi? C'est un truc pour décoller une fusée ou c'est. Mais je t'assure que je suis le taxi. Je déconne non. pas. Si, je déconne pas. Bah, moi, je suis le taxi, mais je crois que j'ai. Suis-moi, tu vas voir. Ouais, bah. C'est pas grave pour les passagers. Donc, il faut que j'y aille dans 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Ah, bah arrête-toi au premier parking, arrête-toi au premier parking, puis voilà. Bah, je sais pas où je suis, je sais même pas où je suis. En campagne. Ah, je sais pas, regarde-moi ça. Oh la putain. Oh putain. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, regarde. Non, non, mais. Regarde, il recule mon avion. Ça, faut le faire. Oh. J'ai jamais vu un truc pareil. Moi, ils ont pas allumé le chemin en fer, en terre. Non, mais une butte comme ça, ça existe pas. Et là, j'ai un champ devant. On se croit sur la plaine de Waterloo, quoi. Non, c'est pas possible. Attends, je vais reprendre la piste parce que c'est pas bon, là. Là, c'est pas bon, les gars. On va essayer de trouver une autre sortie pour les passagers, parce que... Mais il n'y a pas de bâtiment, notre... On a été. Tant pis, moi je laisse l'avion dans le champ, il faut que j'y aille là. On a atterri en pleine course. En pleine cambrousse, on a atterri. Au milieu des vaches, gars. Bon, et en fait, il est pas modélisé par FS. Regarde, je vais essayer de redécoller de cette piste là. Regarde, je vais m'amuser là. De toute façon, là, perdu pour perdu. Perdu pour perdu, exact. Non, mais attends. Tu as vu une piste comme ça, toi? J'ai jamais vu une piste comme ça. Hein. Et la foire du trône, c'est. La côté. Non, mais à mon avis, elle est pas. C'est pas modélisé. C'est pas modélisé, c'est pas possible. Tu vois pas le truc? Y a quelque chose. C'est dommage parce que j'ai fait un atterrissage de fou. Par contre, c'est beau, hein. L'approche était très jolie. Ouais. Quand tu pars dans le truc, après c'est. J'ai fait une approche à moins 108 pieds par minute. Donc. Et un toucher à plus 0,96 G. Donc, perfect. Mon logiciel m'a dit perfect. Perfect, ouais, Wildon. Hein. Mais moi, il est pas tordu. Hein. Bah, moi, il est tordu de chez tordu, hein. Franchement. Moi, le seul truc, hein. C'est que j'ai pas de taxi. Mais pourquoi il est plat chez toi, il est pas plat chez moi? T'es sûr que t'as atterri sur la 03L? Ah, bah oui, t'es devant moi, là. Je t'ai lu, là, par tiens, t'es devant moi. Bah, je sais pas. Voilà, je suis pas sur le bon aéroport. C'est bizarre, il y a combien de pistes? Il y a deux pistes là-bas? Ouais. Ah bah non, mais j'ai pas atterri sur la bonne piste. J'ai pas atterri sur la bonne piste. Bah alors, comment ça se fait? Bah si, pourtant j'ai suivi mon instrument. Non, il est pas modélisé. Il est pas modélisé ici là. Il est pas modélisé. Il est pas modélisé notre haut, c'est pas possible. Non, parce que par rapport à la carte Navigraph, là, il y a... Normalement, je devrais avoir des taxis, là. Il n'y a pas un siège éjectable ou quoi? Là, je devrais avoir des taxis. Allez, où toi? Salut, John, ça va? Salut, ça va? Ouais, bah ouais. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Non, non, mais ça, c'était fun, quand même. C'était bien, c'était sympa. C'est pas grave. On va les débarquer, là, hein.
Moi je débarque rien du tout, hein. Moi je saute là, je prends mon parachute, pas normal. Hein. Bon bah écoute. Non, non, il faut que je vous laisse, il est 18h12, faut que je me barre, j'ai un resto là. Ça marche. Bon, à plus. Allez, je coupe. À plus. Ouais, à plus, hein. Salut John. Ciao. Salut, salut. Elle est pas trop cabossée, ma puce. Ça va? Il a pas tiré sur la bonne, c'est pour ça. Bon, allez. Merci d'avoir regardé les streams, les amis. J'ai un petit écho. Et puis, on se revoit pour la suite du tour du monde. Voilà. À bientôt. N'oubliez pas de mettre un suivi si vous aimez. Si vous aimez la vidéo, je la mettrai sur YouTube et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.